L'événement du classeur. On va rapidement voir l'événement du classeur. Le classeur, c'est This Workbook. This Workbook, c'est le classeur. Donc, quand je fais double clic, j'accède à l'événement du classeur. Et lorsque je choisis l'objet Workbook, j'ai tous les événements du classeur qui sont là. Lorsque le classeur est activé, lorsque le classeur s'ouvre à l'ouverture du classeur, ici, lorsque je redimensionne le classeur, lorsque je change de feuille dans le classeur, c'est le sheet change, lorsque une feuille est calculée, lorsque une feuille est activée, lorsque j'ajoute une nouvelle feuille, lorsque j'ajoute un nouveau graphique, ouais, donc tous les événements que vous voulez. Avant, before close, avant la fermeture, avant la sauvegarde. On va prendre les deux événements, open et puis before close. Ici, l'événement open, c'est pour dire à chaque fois que ça s'ouvre, mon classeur s'ouvre, j'aimerais avoir un message. Donc, par exemple, je peux lui dire, par exemple, Jim, mot de passe. À string. Le mot de passe est un peu caractère, donc il appelle ça string. Et il va dire, mot de passe. Ici, comme je n'ai pas encore créé de formulaire, c'est pourquoi j'utilise beaucoup le input box. Input box. Veuillez entrer le mot de passe avant d'accéder à ce classeur. Voilà. Maintenant, je vais tester le mot de passe qui a été renseigné. If, donc, if mot de passe. Donc, il a dit bonjour, par exemple. Si le mot de passe égale à bonjour, then, and if. If, c'est une fonction conditionnelle. Hein. C'est pour dire si le mot de passe est bonjour, alors c'est le bon mot de passe. Donc, il va dire MSG box. Le mot de bienvenue. Sinon, je vais lui dire MSG box. Mot de passe incorrect. Au revoir. Au revoir. Et lorsque je lui dis au revoir, je ferme le classeur en même temps. Donc, active workbook point close. Donc, on va tester. Bonjour. Je ferme totalement le classeur. Et alors, on va essayer d'abord. Et puis, je vais aller ouvrir. Lorsque je vais ouvrir, là, c'est à l'ouverture, puisque j'ai mis un code à l'ouverture du classeur. J'ai mis sinon, LC plutôt. Je pense qu'il était en Windows. OK. Je vais le lancer. Et entrer le mot de passe avant d'accéder à ce classeur. Donc, lorsque je mets bonjour, il va me mettre bienvenue et je peux manipuler. Et faire le deuxième exercice. Il va mettre un mot de passe qui n'a rien à voir. Mot de passe incorrect, au revoir. Ah, je fais ne pas enregistrer et puis il se ferme. Bon, je pouvais forcer. Voilà, bonjour. Bienvenue.
je peux dire Active Workbook. Pour ne pas qu'il me pose la question d'enregistrement, je peux enregistrer le classeur en même temps. Point save. Et là, je vais entrer le mot de passe. Je mets un faux mot de passe. Quand je fais OK, mot de passe incorrect, au revoir. Et ça ferme le classeur. Mot de passe incorrect, au revoir. Le classeur est fermé. Voilà. Maintenant, on a peut-être l'habitude d'utiliser un classeur et on n'aimerait pas oublier de l'enregistrer avant qu'il se ferme. On peut mettre ça dans le code before this workbook before. Donc, on peut mettre directement activeworkbook.save. Là, il va plus nous poser la question d'enregistrer le classeur ou pas. Bon, je vais supprimer ce code-là. Voilà. Donc, ici, quand je vais fermer le classeur, il va s'enregistrer sur. Et on ne me pose plus la question de s'il veut enregistrer ou pas. Quelle que soit la modification que je vais faire, s'enregistre le classeur avant la fermeture. J'ai mis ça dans la partie before close du classeur. OK. Donc, vous pouvez faire autant de choses que vous voulez avec les différents événements qui sont là.